Start over. Bonjour Suzanne, bonjour Steve. Bonjour. Bonjour Suzanne. Bonjour. Suzanne, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour commencer? Bien, je suis Suzanne Roy, je suis une Québécoise, donc francophone. Je ne suis pas une Montréalaise par contre. Je suis une trifluvienne. Donc, je demeure à Trois-Rivières, qui est une ville moyenne entre Montréal et Québec. Et donc, je participe au Langfest pour la troisième fois, toujours pour animer les ateliers d'espéranto. Et je ne suis pas une professionnelle des langues, contrairement à... Non, c'est vrai. Non, non plus, mais enfin, mais maintenant, tu fais ça pratiquement à temps plein, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Mais bon, moi, c'est donc en dilettante, disons. Mais j'ai appris au fil des années beaucoup de langues. J'ai commencé jeune, plutôt par des rencontres, par un peu des hasards. Je ne suis pas quelqu'un qui a choisi d'apprendre une langue, donc vraiment un peu au hasard, mais plutôt selon les aléas de la vie. Et bon, j'en ai appris quelques-unes au fil des années. À 10 ans l'anglais, à 13 ans l'allemand, à 18 ans le turc, à 22 ans l'espagnol. Bon, comme ça, tranquillement, j'ai intégré des langues dans ma vie. Et à 50 ans, j'ai découvert l'espéranto. Et ça a été ma dernière, et je pense que ça va être ma dernière. J'ai décidé d'arrêter. C'est la 10e langue que j'ai étudiée sérieusement. Mais je suis tombée en amour avec. Très bien. Et toi, Steve, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y en a, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter toi aussi? Bon, j'habite Vancouver. J'ai appris 9 langues pendant ma carrière dans le bois, le commerce du bois, etc. J'étais aussi diplomate pendant 7 ans. Et depuis ma retraite, j'en ai appris 12 autres. Enfin, plus ou moins bien. C'est-à-dire. Et j'aime bien les langues et j'aime bien Langfest parce que c'est une occasion de rencontrer des enthousiastes des langues. D'accord, donc on a ici 2 Canadiens, très bien. Et, donc une Canadienne de la partie francophone et enfin, toi tu viens de la partie anglophone, tu habites à Vancouver, oui. C'est ça? D'accord. Et donc Suzanne, tu nous avais parlé de ton expérience avec l'espéranto. Steve, est-ce que, enfin, de toutes les langues que tu parles, est-ce que tu as déjà essayé d'apprendre l'espéranto ou jamais? Je dois avouer, je n'ai jamais essayé et je n'ai jamais été attiré par l'espéranto. Pourquoi? Parce que, bon, il n'y a pas de cuisine espéranto. Ce que je veux dire, c'est que, bon, moi, je suis attiré par l'histoire, par la culture, par la possibilité de visiter le pays où la langue est parlée. Je ne suis pas contre l'espéranto. D'ailleurs, j'ai vu que, enfin, j'ai assisté à une présentation qui expliquait comment l'espéranto peut être utile dans l'enseignement des langues, parce que ça donne aux enfants un sentiment de pouvoir apprendre des langues. Et c'est très, parce que c'est facile. Donc, c'est très important de donner aux apprenants, aux enfants, cette confiance qu'ils peuvent apprendre. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas contre les espérantistes, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est très intéressant, Suzanne. Pourquoi tu as commencé d'apprendre l'espéranto? Par curiosité, d'abord. Parce que j'ai un ami qui m'a dit qu'il parlait espéranto. Je dis, tu parles ça, toi? Moi, au départ, j'étais comme Steve, ça ne m'intéressait pas. Parce que je me disais, bon, c'est une espèce de créole, c'est une espèce de mélange, il n'y a personne qui a ça comme langue maternelle, il n'y a pas de culture, etc. Mais en le parlant, je me suis rendu compte que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que moi, je suis une voyageuse. Donc, je suis quelqu'un qui m'intéresse aux cultures, aux cuisines, aux coutumes de partout dans le monde. Ce que j'ai trouvé, c'est que l'espéranto te donne accès, mais un accès vraiment privilégié à toutes les cultures, parce que tu rentres dans la vie des gens. Moi, quand je voyage maintenant, depuis 10 ans, je ne voyage qu'en espéranto, ou presque. Évidemment, j'essaie d'utiliser aussi mes autres langues à l'occasion, mais j'utilise beaucoup l'espéranto parce que ça permet une relation intime. Et quand je vais, par exemple, en Italie ou en Norvège, bon, évidemment, je vais en Italie, je vais pratiquer mon italien. En Norvège, je vais m'intéresser un peu. Je ne parle pas norvégien, mais je vais m'intéresser.
Mais le vrai contact, c'est avec les espérantistes que je lis. Évidemment, il faut les contacter, il faut se présenter, mais très rapidement, on est accepté. Moi, j'arrive de Norvège, là. J'ai eu des expériences extraordinaires. J'ai été invitée chez des amis à des tables de monde ordinaire, pas à des restaurants ou des hôtels, chez du vrai monde. Et là, ça, je trouve, tu sais, j'ai mangé de la cuisine norvégienne chez des Norvégiens, dans leur chalet, avec des amis. J'étais la seule étrangère. Et c'est toujours comme ça, dans chaque voyage. D'accord. Très intéressant. Et est-ce que tu as une langue qui est ta langue préférée? Ah, l'espéranto, de loin. L'espéranto, quand même. Mais d'accord. J'aime beaucoup, beaucoup le turc aussi. D'accord. Quelle est ta langue préférée, Steve? J'en ai pas. Ah non? Non, non. Jamais eu? Pardon? Tu n'as jamais eu de langue préférée? Non, 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 la langue que je suis en train d'apprendre. Mais je comprends très bien l'explication que tu as donnée et je vois très bien que l'espéranto peut être une façon d'entrer, de partager des expériences avec des gens qui ont les mêmes intérêts. Absolument. Moi, je ne peux pas me permettre de voyager tout le temps. J'apprends chez moi, souvent à travers des livres, à travers des films, à travers des choses comme ça. Mais je ne suis donc pas contre. Je comprends très bien ce que te motive ou peut motiver autres personnes pour apprendre l'espéranto, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais Steve, pour une personne comme toi, qui connaît déjà beaucoup de langues, l'espéranto, tu ne passes pas beaucoup de temps là-dessus, tu fais le tour en une semaine. OK, mais... Et c'est réglé. OK, mais le catalan m'intéresse, le finlandais, le n'importe quoi. On ne peut pas apprendre toutes les langues. Non, c'est ça. Chacun fait le choix. Enfin, ça, c'est son choix. Un jour, peut-être que ça va m'intéresser. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Mm-hmm. Voilà, c'est tout. Bah, tu nous as parlé des films et des livres, donc tu nous as dit que voilà, tu aimes bien aussi apprendre avec les livres et les films. C'est ça aussi l'idée de Link, non? Donc tu es cofondateur de l'application Link. Oui, c'est-à-dire. Peux-tu parler un peu de Link peut-être? L'idée de Link, ça vient un peu de mon expérience comme quelqu'un qui aime apprendre des langues. Il faut finalement, au début, il faut travailler des choses qui ne sont pas très intéressantes, des histoires un peu simples, avec beaucoup de répétitions, mais il ne faut pas rester là. Ça, pendant quelques mois, oui, mais aussitôt que possible, il faut aller vers des choses authentiques. Ça peut être des journaux, ça peut être des discussions politiques qu'on trouve maintenant, France 24, dans beaucoup de langues, par exemple. Mais ça peut aussi, et de plus en plus, c'est des films avec Netflix, où il y a les sous-titres, et avec Link, où il y a... D'un part, il y a les histoires simples pour démarrer dans la langue, mais il y a aussi l'accès, on peut importer tous les sous-titres comme le son, donc se familiariser avec les mots qui sont utilisés dans ces séries et ensuite les regarder. Et donc on entre, je ne suis pas en Turquie avec la famille qui est dans le sitcom dans l'histoire, mais chaque soir je partage leur vie à travers des films. Donc, tout ça, enfin, disons qu'il y a toutes sortes de possibilités pour l'apprentissage des langues aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 10 ans. Suzanne, est-ce que tu as déjà utilisé l'application Link? Pas du tout, pas du tout. Moi, je ne suis vraiment pas du genre moderne, ordinateur, tout ça. Mais j'y vais. Mais on a même Esperanto à Link. Ah oui? Par contre, ben oui, mais je pourquoi pas? Je ne savais même pas. Mais de nos jours, il y a beaucoup de monde qui utilise ces moyens-là et moi, je suis en contact. Je ne l'utilise pas moi-même, mais je suis en contact avec beaucoup de gens qui, par exemple, apprennent l'espéranto par Duolingo. Je ne savais pas que Link l'avait aussi, mais j'ai rencontré beaucoup de monde qui ont appris par Duolingo et qui viennent me rencontrer pour une première conversation. Ça, j'ai la chance de faire ça régulièrement. D'être la première personne à qui on parle vraiment. Et c'est très intéressant et je suis souvent très surprise, bon, je ne suis plus surprise maintenant, mais impressionnée par le niveau des gens qui n'ont jamais parlé pour vrai, mais qui maîtrisent quand même assez bien.
grâce à des sites comme ça. D'accord. Et donc, tu nous as dit, tu utilises plutôt des méthodes traditionnelles. Donc, c'est quoi, par exemple? Comment tu as appris les 10 langues que tu parles? Ben, moi, j'ai appris dans des livres, tout simplement. Je fais la méthode assimile, je lis et ensuite j'y vais. Et comme je te dis, je suis une voyageuse. Alors le truc, c'est de me plonger dedans. Et j'ai fait par exemple des écoles de langue où on va pendant 2 semaines, immersion totale, on vit dans une famille, ce genre de choses-là. Et ensuite voyager, bon, c'est comme ça que moi je fonctionne. Mais quand j'aide des gens en espéranto, je ne donne pas de cours non plus. Donc, c'est des gens qui apprennent par eux-mêmes, la plupart par Internet, par une méthode ou une autre. Et quand ils viennent me voir, bon, c'est d'abord la conversation de base. Et ensuite, bon, souvent, on va faire des activités ensemble, soit des jeux de rôle, des jeux de table, des fois des jeux de société. On a déjà fait de la cuisine ensemble. Mais moi, j'ai jamais des gros groupes. Alors, je vais avoir 4, 5, 6 personnes autour de moi. On peut faire des choses ensemble. Par exemple, j'ai déjà invité des gens à cuisiner. On était 6, il y était 3 équipes de 2 avec chacun leur recette. Bon, puis faire une recette, c'est du vocabulaire, c'est des verbes, c'est des mots, puis c'est amusant. Alors, moi, c'est ce que je fais. C'est rien de très, très scientifique. Ça, vous avez quand même en commun. Enfin, toi aussi, tu nous as parlé de la cuisine, l'importance de la cuisine, d'une autre culture. Et toi aussi, tu voyages beaucoup pour apprendre une langue, non? Pour pratiquer la langue aussi. C'est-à-dire, mon approche, c'est plutôt d'apprendre la langue d'abord, et par la suite de voyager dans les pays, enfin, dans le pays dont j'ai appris la langue. Et je ne prends pas de cours, mais une chose qui, dans un pays où le niveau de salaire n'est pas très élevé, donc le coût d'un taxi n'est pas très élevé, c'est le meilleur professeur de langue. Par exemple, j'étais au Brésil, c'est pas cher. Les Brésiliens, ils aiment parler, pas besoin de les inciter, ils commencent tout de suite, 30 minutes, et c'est les meilleures leçons. Mais pour pouvoir donc profiter du fait d'être dans le pays où la langue est parlée, il faut déjà avoir un certain niveau. Ouais. Les gens qui pensent que je vais aller au Brésil pour apprendre le portugais, et qu'en arrivant, après 2 semaines, je vais parler le portugais, non. Ce n'est pas le cas, parce que si vous n'avez pas un niveau assez élevé, vous ne pouvez pas profiter des conversations, etc. Puis il y a les accents aussi. Comment? Il y a les accents. Moi, je suis allée au Brésil, puis je sais que les chauffeurs de taxi de Rio de Janeiro, ouf! C'est pas évident, hein? Oui. Enfin, mais de toute façon, c'est la motivation qui est le plus important. Tout le monde peut apprendre. Le cerveau apprend. C'est une machine pour apprendre. Ne peut pas faire autrement qu'apprendre. Mais ça prend du temps. Et ça prend de la motivation. Et souvent, je crois, les gens peut-être te disent aussi que tu as du talent, voilà. Non, ce n'est pas une question de talent. C'est une question de motivation et de temps, bien sûr. Ouais. Et n'importe quelle personne motivée et qui y met le temps peut apprendre. En fait, moi, je ne crois pas ça du tout que les gens n'ont pas le temps. Parce qu'il suffit de 15-20 minutes, mettons 30 si tu es très motivé, 15-20 minutes par jour. Avant de t'endormir le soir, tu fais quoi? Tu lis quelques pages? Bon, tout le monde a le temps. Je suis d'accord. Donc ça, c'est toujours l'excuse. « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Un jour, j'aurai le temps. » C'est pas vrai, ça. On peut faire 15 minutes par jour. J'étais sur l'avion là, venant de Vancouver. Il y avait une dame à côté de moi qui était d'ailleurs allemande, qui avait un espèce de livre où elle faisait des exercices pour apprendre l'italien. Ah ben, je lui ai dit, il y a quelqu'un comme moi qui apprend une langue dans l'avion. Mais je lui ai expliqué, mais c'est pas la peine. Tout ce que vous faites là, elle n'était pas très contente de l'écouter, mais enfin, tout ce que vous faites là, ce n'est pas très utile parce que vous allez l'oublier. Là. Il faut écouter et lire des choses intéressantes, pas faire des exercices comme ça. Et puis, on a discuté pendant un moment et finalement, elle a dit, de toute façon, je n'ai pas le temps. Mais si vous n'avez pas le temps, pourquoi vous passez votre temps à faire des exercices inutiles? Parce que si on écoute, moi j'écoute, le petit déjeuner, c'est moi qui le prépare, tout ce qui est après, je ramassais les vaisselles, tout ça, tout. Je suis devenu le mari idéal depuis que j'apprends des langues. Parce que j'écoute.
Et ma femme dit, je t'aide. Je dis, non, non, je ne veux pas parce que là, il faut que je parle avec toi. Je ne veux pas, ouais, je vais écouter mes langues. Mm-hmm. D'accord. Donc... Ça devient une addiction un peu. Là. Ouais, ouais. Alors, donc, Steve Kaufman, il est le mari idéal grâce aux langues. D'accord. C'est ça. Okay, mais donc je suis d'accord que d'écouter, c'est très, très important. Très important. Mais ça, c'est ce qui me manque souvent. Oui. Parce que c'est ça, j'atteins un bon niveau en étudiant, en lisant. Mais quand on arrive là-bas, c'est de comprendre assez vite. La compréhension. La compréhension, c'est pour moi le plus difficile. Absolument, oui. Et est-ce que le choix, enfin, quand vous avez choisi, je vais maintenant apprendre le turc ou le français, l'anglais, est-ce que c'est par rapport à vos voyages? Donc, Steve, tu nous as dit, tu voyages après avoir une base. Est-ce que, Suzanne, c'est pareil pour toi ou c'est similaire? Tu choisis aussi tes langues par rapport à tes voyages? Non, j'ai jamais choisi, en fait. J'ai pas regardé une liste de langues puis dire, ah tiens, ça m'intéresse, je vais faire celle-là l'année prochaine. Non, ça a été plutôt des rencontres. Bon, je suis tombée amoureuse d'un Turc, L'amour à 18 ans, bon, je suis tombée amoureuse d'un Guatémaltèque 4-5 ans plus tard, bon, j'ai fait du chant classique. Ça, c'est sûr que, bon, ça a été une motivation pour apprendre l'italien puis l'allemand parce que j'aime bien comprendre ce que je chante. Et bon, tant qu'à y être, c'est des langues intéressantes, il y a beaucoup d'histoires, de cultures, etc. Donc, j'ai embarqué dans ces langues-là. Ensuite, mon frère a marié une Brésilienne. Bon, j'ai eu de la visite du Brésil, je suis allée là-bas, etc. Donc, ça a rentré dans ma vie. C'est toujours comme ça, par rencontre, en fait. C'est la nécessité fait loi, comme on dit. D'accord. Et Steve, comment tu as choisi tes langues? Ou c'est pareil, tu n'as jamais choisi les langues? C'était hasard. Plus récemment, les langues que j'ai apprises donc, depuis l'âge de 60 ans, le russe, parce que j'avais le principe qu'il ne faut pas se concentrer sur la grammaire. Et il y avait des gens qui me disaient, c'est pas possible avec le russe, les langues slaves sont trop compliquées. Et je me suis dit, bon, ben, je vais essayer. Mais tout récemment, là, j'avais un voyage planifié pour aller en Roumanie, donc j'ai appris le roumain avant d'y aller. Même chose pour le grec. Ensuite, l'arabe, c'est à cause de la visite que j'avais faite en Jordanie, ça m'a intéressé. Ensuite, j'ai appris l'écriture arabe à Vancouver. Il y a beaucoup de monde qui sont d'origine de l'Iran. Il n'y a pas beaucoup d'arabes, donc je me suis dit, je vais apprendre le persan. Et puis ensuite, ma femme commence à regarder une espèce de sitcom de turc, de Netflix. Je me dis, je vais apprendre le turc. Et maintenant, ça m'intéresse parce que l'arabe, le persan et le turc sont des langues qui sont liées par la religion, par l'histoire, par la géographie. Donc, c'est très intéressant de les étudier ensemble. C'est tout. C'est intéressant aussi de voir ces langues-là, comment elles ont été colonisées et envahies. Puis, on vit ça aussi en français. moi, je vois des parallèles dans le sens que les Turcs et les Persans se sont envahis et dominés mutuellement, les jeux des empires et tout ça, là. Et les mots ont pénétré la langue. Mais périodiquement, il y a eu des gens qui ont dit, là, ça va faire, là, les mots arabes en turc ou en persan, et on va essayer de s'en débarrasser. Mais c'est pas si simple, hein? Et donc, ces mots-là sont très... ont pénétré profondément dans la langue et... ils ont essayé d'écrire des sagas, des romans, etc., sans utiliser les mots de l'autre culture, et c'est pas facile. Mais en français, c'est sûr qu'on a eu des influences d'un peu partout, mais surtout de l'anglais. Et ça pénètre de toutes sortes de façons, pas de la même façon en France qu'au Québec, c'est pas la même histoire, c'est pas la même période. Mais moi, je pense qu'il faut résister. D'accord. Et donc, pour vous, vous êtes les deux Canadiens, et pour toi, Suzanne, c'est la troisième fois cette année au Langfest. Mm-hmm. Pour toi, troisième. Pareil, troisième. Bravo. Et quelle est la motivation ou
chaque année? Moi? Les deux, là. Ben, parce qu'on est invité d'abord. Oui. Mais aussi parce que c'est très agréable. Moi, j'ai dit que j'arrêtais à 10, mais bon, je veux quand même perfectionner mes 10. Et j'avoue qu'il y a toujours la curiosité pour d'autres langues. Alors, je suis allée à des ateliers de grec, de roumain, etc., et de japonais et de choses. Et plus on connaît de langues, plus c'est intéressant. Donc, de faire les liens, de reconnaître des familles, de reconnaître des types de structures. Moi, ça, c'est une passion, hein. Oui, c'est certain qu'il y a des ateliers intéressants, mais plus que ça, il y a une ambiance. Et des fois, des gens, enfin, même sur, parce que j'ai un canal YouTube, et des fois, il y a des gens qui vont critiquer et dire, ah, les polyglottes qui se vantent, ceci et cela, et qu'il y a compétition. Il n'y a pas de compétition. Les gens, on est tellement content de voir une personne qui parle même une autre langue. Il y a une espèce d'ambiance de support, une ambiance, on vient ici, on est accepté, et c'est très agréable. On est entouré d'amis qui partagent les mêmes intérêts, on est content de se voir entre amis. C'est sympathique, quoi. On vient surtout pour cette ambiance-là, de mon avis. Donc les deux, vous avez déjà réservé la date pour 2020, le Langfest. Oui. Pas moi. Très bien. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez chacun peut-être un dernier conseil pour les gens qui ont peut-être peur aussi de participer à des événements comme le Langfest? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens qui ont peut-être peur parce qu'ils disent justement avant les polyglottes, c'est la compétition. Moi, je ne parle que deux langues, peut-être. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Les gens qui déjà parlent des langues, même si c'est une autre langue, donc venez, vous allez trouver des gens qui ont les mêmes intérêts, qui ont même peut-être des astuces, de l'information qui pourrait être utile. Les gens qui ne parlent pas d'autres langues, il faut aussi venir parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu tellement petit. Et le fait de pouvoir parler d'autres langues, accéder à d'autres cultures, ça vous donne beaucoup, beaucoup de choses. Mm-hmm. Et venir participer à Langfest, ça peut être un peu le début de quelque chose de très enrichissant, mm-hmm. Enrichissant pour vous. Donc, venez. Oui. Voilà. Le seul prérequis, c'est l'intérêt, tout simplement. Alors, il n'y a personne qui va vous demander de prouver que c'est vrai que vous parlez trois langues. Non. On parle comme ça vient, mais ce qui est important, c'est d'avoir un intérêt pour les langues. Et à partir de là, tout est possible et tout est intéressant. D'accord. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci beaucoup pour l'entretien. Merci. Et bienvenue à Montréal. Merci. Merci. OK.